Bonjour les amis. Non, je vous assure, je suis à jeun, mais là, je viens d'avoir une révélation. C'est les écolos qui ont raison. Je vous explique, hein. Je vous fais cette vidéo samedi soir parce que demain, je suis pris, j'ai une conférence avec mes copains du Parti de la France. Je sais, j'aggrave mon cas, ils sont très méchants. Déjà hier soir, j'ai fait une vidéo d'1h45, je vous la mettrai, avec Thomas Joly, le président du Parti de la France. On a dit plein de mal du ramadan et tout. On a aggravé notre cas et je les revois demain, donc je vous fais cette vidéo samedi soir. Je viens de faire à peu près 700 km au volant de ma voiture. Vieille bagnole de 28 ans, qui marche au diesel encore. Je peux plus aller en ville, hein. Je peux plus aller chez la dingo, je peux plus aller dans aucune ville, mais j'ai encore le droit de prendre l'autoroute avec. Mais dis donc, je m'attendais pas à ça. 700 km, vous savez combien j'ai casqué de péage? Moi, je m'attendais à payer 50 €, un truc comme ça, vous voyez, c'est déjà pas mal, hein. Je me suis pris 76 € de péage, record battu. Et j'ai fait les calculs, à supposer que, allez, je consomme entre 6 et 7 litres au 100, ce qui, avec ma bagnole, 335 000 km, hein, quand même. Si avec ma bagnole est correct, ça me fait 80 € d'essence. Donc, 80,76 € de péage. En gros, c'est une plaisanterie qui me revient à 160 €. Bah, c'est bien fait pour moi. J'avais qu'à fonctionner en covoiturage. C'est bien, c'est citoyen de se déplacer en covoiturage. Ou j'avais qu'à prendre les cars Macron, les cars Choupinet. Bon, c'est long, tu mets deux jours pour arriver. Mais alors, on n'est pas pressé, on n'a qu'une vie, ça va. Puis le covoiturage, j'aurais discuté, j'aurais rencontré, j'aurais fait de la sociabilité. Puis j'aurais amené mon écho à la préservation de la planète. En parlant de la préservation de la planète, tout le monde me dit qu'il fait chaud, qu'il fait une canicule, qu'il fait des températures pas possibles. Regardez, moi je suis obligé d'allumer le feu. Ça caille chez moi, donc... un peu bizarre. Donc, mais quand je vous dis que les écolos, ils ont raison, c'est pas seulement sur ces problèmes. C'est sur les problèmes économiques, là, parce que je viens... en gros, la situation économique de la France, c'est quoi? C'est que depuis 7 ans, Choupinet, il a mis une buse à l'économie. Il a mis Bulot. Bon, Bulot, c'est peut-être un génie pour écrire des bouquins parfois un peu torrides et tout. Bon, d'accord. Il donne des conseils pour dire s'il est élu président de la République, ce qu'il va faire. En attendant, Bulot, ça fait 7 ans qu'il est aux manettes, c'est le grand argentier de la France, et on est passé de 2 200 milliards de dettes à 3 100 milliards de dettes. On ne peut pas s'en sortir, et donc nous... le problème, on avait un Mozart de l'économie, Choupinet, mais comme il est président de la République, puis qu'il donne de l'argent à tout le monde, il peut pas s'occuper de tout. Et donc, le Mozart de l'économie, bon, au lieu de choisir un bourrin, un cheval de trait comme Bulot, il avait un génie dans ses troupes, un génie dans le pays, et il le savait pas. Et ce génie, c'est ma copine Sandrine Rousseau, surnommée l'Aya Nakamura, là je crois, hein, c'est comme ça qu'on dit, Aya Nakamura de la finance, parce que hey, c'est une chercheuse, Sandrine, elle a des diplômes, hein. Elle était vice-présidente de l'Université du Nord, elle est chercheuse, spécialiste en économie, elle a des références, et Sandrine, elle a trouvé la réponse. Bulot, ça fait 7 ans qu'il a ça, il trouvait pas. En gros, Sandrine, elle nous a dit, voilà, la dette, elle est de 3 100 milliards. Les Français, ils ont 6 000 milliards d'économies. Le problème est réglé. Non seulement on est endetté, on n'est plus endetté avec moi, on vide les bourses des Français. Enfin bon, c'est une image, hein. On leur pique toute leur économie. Et naturellement, on rembourse toute l'économie et on se garde les 3 000 milliards pour faire face à la suite et surtout sauver la planète. Et c'est un avantage. Là, on est dans la parfaite société communiste, c'est-à-dire tout le monde il est égal, parce que honnêtement c'est pas juste, il y a des gens qui naissent avec une cuillère d'argent dans la bouche, et puis il y en a d'autres
qui naissent pauvres. Déjà, ça, c'est pas juste, c'est pas normal. Si tout le monde naît pauvre, on est égaux. Et puis, vous avez un truc, vous avez quand même les Français qui ont bossé toute leur vie, ils ont un petit patrimoine et tout, et les malheureux migrants qui arrivent en France, les mecs, ils ont rien. Ils sont... Bon, on leur donne des cartes bleues et tout, mais enfin, ils se sentent misérables vis-à-vis des gars qui roulent avec leurs 4x4 et tout. C'est une injustice sociale abominable, c'est une agression pour eux et tout. Donc, avec Sandrine, plus personne, il aura rien. Mais par contre, il y aura des services, hein. Il y aura des services publics, on pourra se déplacer dans les mairies, on demandera à manger, on aura un ticket de rationnement, on voudra se déplacer, on nous organisera le blablacar et tout. On sera dans l'égalité parfaite, surtout que avec les écolos, là j'ai vu la Marie Toussaint, la tête de liste des écolos, une pin-up, un sexe symbole. Donc elle a dit qu'il fallait obliger les pays européens à prendre tous les migrants qui allaient se présenter. Super, et grâce aux 3 000 milliards que le gouvernement il aura gardé, on pourra accueillir avec l'argent des Français tous les migrants qui vont arriver chez nous. Franchement, on a avec Sandrine une as de l'économie. Je ne sais pas ce que Choupinet attend pour virer Bulot et nous mettre Sandrine à l'économie. Alors on appellerait ça évidemment l'économie solidaire, l'économie sociale, l'économie environnementale. On trouverait tous les mots et on file un super ministère à Sandrine et l'égalité citoyenne sera au rendez-vous. Un conseil les amis, pour les européennes, votez écolo. Bonne journée les amis.